surtout, vous faites attention sur la route. Et quand on est hors route, on fait encore plus attention, parce que c'est pas parce qu'on est seul qu'on est seul en fait. Bonjour, je m'appelle Ali Damak. Je suis retourné en Tunisie depuis 3 ans. J'ai passé 10 ans en France pour faire mes études. J'ai fait une master et un doctorat en chimie. Et j'ai rencontré ma femme en France. J'ai fait ma petite famille en France. Après, on est revenu en Tunisie pour que j'exerce mon métier, qui est ma passion, c'est préparateur automobile, surtout préparateur 4x4. Là, on est en train de développer un petit projet pour faire un petit magasin qui s'occupe de tout ce qui est sport d'extrême, camping, 4x4. Voilà. C'est un peu loin de la chimie, mais la passion avant les études. Le magasin et la marque, ça s'appelle le Baroudeur, qui va être sous forme de plein de projets, des activités pour faire sortir les gens qui aiment ça, un magasin de camping comme j'ai dit, un magasin de vente, un échange avec les amateurs de sport extrême. Et voilà, oui, ça commence à développer depuis quelques années, tout le monde commence à découvrir cette passion parce que comme il n'y a pas beaucoup de choses à faire en Tunisie, les gens se dirigent vers les paysages sauvages, les plages, les déserts, les montagnes, où ils se trouvent tranquilles quoi. C'est pour être seul, pour respirer, pour voir la nature, en respectant bien sûr la nature. Il ne faut pas aussi abuser parce qu'il y a des déplacements de temps en temps, mais voilà. Désert. 4x4. Essence. Sophie. Camping, de loin. Donc. On va dire tabou baguette. Réalité. Action. C'est mon pays. Présente ma ville de naissance. Mon pays de naissance, pardon. Ma mère, on va dire. Mes origines, ouais. Tunisie, c'est mes origines, mes débuts, mais. C'est le pays qu'on aime, quoi. C'est le pays où on aime vivre. C'est ma mère adoptive, m'a donné plein de choses, surtout ma famille, mes études, et m'a fait découvrir aussi plein de choses. Elle a changé beaucoup de choses dans ma personnalité au cours de 10 ans que j'ai vécu en France. Pour le moment ici, d'ici quelques années, on ne sait pas, on verra. On va rester dans tout ce qui est camping, tout ce qui est baroudeur. C'est un petit conseil pour les gens, surtout vous faites attention sur la route. Et quand on est hors route, on fait encore plus attention parce que c'est pas parce qu'on est seul qu'on est seul en fait. Il y a des animaux, il y a des gens qui habitent au désert, à la montagne, il y a des accidents qui arrivent. Et enfin, arrêtez de jeter les poubelles quoi. Préservez la Tunisie parce que c'est un pays beau, mais malheureusement, on trouve la poubelle même dans des endroits déserts quoi. Dans le désert, on arrive à trouver le plastique. Ouais, donc je vous conseille, arrêtez de jeter le plastique.